Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tout simplement, je suis en arène et on est en vocal avec Never Save the Beer. Je pense que vous connaissez et vous allez voir, c'était une très très bonne game. Ils étaient très choqués à la fin. Je vous laisse regarder la vidéo, vous allez voir honnêtement, je suis devenu plutôt pas mauvais au jeu. Il y a des très belles actions. Juste avant, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on est 70 000, mais ce serait bien d'avoir les 100 000 abonnés un jour. Donc voilà, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi, les gars, code créateur Cocteau. Ouais, on n'oublie pas Cocteau majuscule ou minuscule dans la boutique. Il y a 2000 soutiens parce qu'on est pas loin, on a 1300 je crois, donc voilà, 2000 soutiens. Et bien tout simplement, je referai un highlight, un low light plutôt, comme j'avais fait il y a un mois et demi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le code créateur Cocteau et puis moi je vous souhaite un bon visionnage. Merci Persocé, tu save Cocteau ou safe? Alors je suis dans un bateau et genre il y a genre, en gros je dois jeter à la mer Cocteau ou safe, c'est ça? Ouais. Bah honnêtement, jette à la mer safe. Et le bateau, limite, on peut accueillir 10 000 Cocteau à côté. Hein. Parce que vraiment, Cocteau, c'est un sacré. Enfin, safe, c'est un sacré morceau. Non, je sais pas, hein, peut-être, ouais. Ça se trouve, je pense que safe, il est plus gros que moi. Moins gros que moi, je pense. Alors là. Moi, je fais 80 kilos. Never, je suis pas gros, hein, j'ai juste des joues gonflées. J'ai tout. Tu fais quelle taille? Ta gueule, le bomba, tu la fermes. Par contre, c'est que ça me fume, ça, par contre, parce que. Genre, la première fois que j'ai vu sur un best-of. Genre vraiment je me suis dit, what, mais c'est lui. C'est Never, on dirait un combat. Tu mets une photo de combat à côté de moi et à côté de Never. C'est juste la couleur, la seule truc c'est la couleur de peau. Ouais. C'est très important. Tu veux faire des mini-scrims ou pas Cocteau? C'est safe et des mini-scrims ou c'est Moi je peux te privatiser un spawn. Parce que le chat là il fait que réclamer ça donc. Ouais, vas-y moi si tu veux on pourra faire. Hein. Attends, Zox Astro, c'est un genre quoi ça là? Ouais, le baiser. Y'a trop de technologie moi dans ce truc. Clip it, dude! À l'aide. N'hésite pas à clipper les amis. Hein. C'est cool. Normalement, première game, je me cache toute la game et je fight personne là. Ah bah du coup ça doit bien te choper. Ouais, exactement. Parce que je me retrouve à faire des turtle fights qui durent 10 minutes et ça m'échauffe. Putain, Never, Never, tiens, je vais t'aider en te bloquant. Tout. Je suis 3 streamhackers, lui. Je suis trop fort, jeu. Plus 2 qui sont à côté et qui attendent. Youssouf et Way, je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais what? Toi, tu fais stream hack, Cocteau? En vrai, ça... quand tu stream, je. Non, en fait, non. Ils vont stream hack toi. Genre, le mieux, c'est quand Mechou et toi stream. Alors là, moi, je me fais jamais stream hack. Ouais, je. Ah, vous êtes un attrape stream hacker, c'est un truc de malade. Par contre, j'avoue que quand personne stream le matin, ou genre l'après-midi plutôt, c'est abusé. Stream hacker. Non, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Genre, bah, si, pourquoi abusé, stream hack? Ah, bah, moi, je stream hack, hein, juste pour voir la réaction des gens. Mais mec, je réagis même pas. Ouais, je sais pas, genre juste voir un mec plonger dans la haine. Vous connaissez un peu? Si tu fais les rushs Dofus sans avoir préparé rien, bah c'est normal que ça pue la merde. Par contre, si t'as tout préparé à l'avance, genre c'est. T'as juste, tu te fais une feuille de route et c'est bon. Et après, t'as l'exécution, évidemment. Je dis pas que. Oh, ouais, je dis pas que c'est facile. Parce que ça va être très très difficile. Déjà, faut pas que je joue en solo déjà, je pense vraiment. Si vous allez pas tous les deux en face de moi, à genoux et vous laisser buter. Je le jure. Et c'est à dire qu'en gros, pour être m'assurer que vous soyez bien blacklist, vous savez ce que je vais faire? Je donnerai le code à personne. Voilà. Clin d'œil, tu vois, genre. Oui, tu sais, la dernière fois, ils sont plein, tu vois. Ouais, mais en vrai de vrai, oui. Je peux comprendre, tu vois. Genre en vrai, c'est pas en mode, c'est pas con, je peux comprendre. Non, mais à la limite, en fait, moi, à la limite, Solari, tu sais, il dirait, ouais, personne prend nos pauvres, tu vois, genre, mais tu vois, tant qu'ils disent. Non, après, là, j'avais abusé, genre, tu sais, faut. Tu vois, j'avais abusé aussi. Quelle maturité. Ok,
Quelle idée. Il prouvait quoi le caca là, il servait à quoi dans l'histoire? Je sais pas. Oh là là. La cape demain les gars, excusez-moi si j'ai pas le chat, hein, je vous plaît. Pépite au chocolat. C'est quoi ça? Cette pépite, c'est une pépite au chocolat. C'est toi qui as fait ça, ce moi, il y a des trucs que je déteste, c'est la maturité. Et vous allez tous finir dans un camp de. Déjà hier le H-word. Non, mais de rééducation. Pour se rééduquer, parce qu'ils sont mal éduqués. San Pellegrino. C'est vrai, c'est qui me fume. De quel clip? San Pellegrino, ouais, moi il me fume San Pellegrino. Tu le connais? Un clip sur TikTok, y'a que ça. Ah, le San Pellegrino? Mais oh là là. Mais non. Non. Impossible, impossible. Oh mon dieu, je me... Si, y'a quelqu'un qui m'a envoyé, il me l'a envoyé en MP. Oui, sur TikTok, y'en a un, il l'a posté. Je sais pas si c'est une menace, mais bon. Ah mais vous cherchez sur TikTok les gars, San Pellegrino, vous le trouvez hein. Tu fais des TikTok Zobir? J'en ai fait un, il a fait 10 000 vues. Ça va. C'est normal, tous les TikTok qu'on ait vus. Ouais, ça c'est ça qui est ouf sur cette application. C'est quoi ça cause? Je pense qu'il y en a qui se disent oh, je peux vivre de TikTok et tout, je vais devenir une star et tout. Ouais, c'est de la... ça, c'est à tout moment tu bides. Bah ouais, c'est ça en fait, tu bides. Exactement, à tout moment tu peux être le roi du monde, à tout moment. Ouais, vu que c'est que de l'algorithme limite, c'est encore pire que YouTube, tu vois. Ouais, c'est que YouTube. Ouais, clairement. Déjà que YouTube c'est catastrophique. Bah après, si tu montes ton cul sur TikTok, ça passe hein, généralement. Mais même Addison Rae fait moins de vues qu'avant, je pense. Hein. Enfin, il y a des moments où elle fait Addison des descentes. Ouais, elle fait des descentes et après elle remonte de ouf. Non, je suis. Quel fils de pute. J'avais 13 kills, je meurs par un mec qui me fait tomber dessus. Comment ça t'as 13 kills? J'avais 13 kills en arène. Comment ça t'as 13 kills en arène? J'avais shitton tout le monde hein. Les gars, si vous voulez faire le world record là, c'est le moment là. Je peux vous garantir. Non, pardon. J'avais 14 kills, j'avais 14. Vas-y, y'a un vieux mec qui me fait tomber dessus. Tu fais bientôt tes escrimes ou pas là? Ouais. Du coup les potes, la vidéo est finie, comme vous l'avez vu, j'ai fait 14 kills en arène, j'aurais pu faire une petite 16 kills je pense, mais malheureusement on est mort de chute. Bref, n'oubliez pas, comme d'habitude, d'aller rejoindre tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. etc. Surtout à mettre le code créateur Cocteau, parce qu'à 2000 soutiens, il y aura un nouveau Lolai. Bref, c'était Cocteau, ciao.